Sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Alors aujourd'hui on va faire plein de choses. On va s'occuper des rideaux du salon et on va s'occuper de la salle à manger. Donc je me suis fait un bon café. J'espère que c'est aussi le cas pour vous, que vous avez préparé un bon café ou un bon thé et que vous êtes bien cosy et installé sur votre canapé. Ou moi souvent dans mon cas je suis installée dans mon lit pour regarder les vlogs. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pour l'instant et ce que je compte faire. Alors les chaises sont arrivées. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le parce que je suis très active via Instagram. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour demander... Je voulais en fait mixer les chaises. Et puis finalement, j'étais pas sûre. Je voulais avoir du beige et du taupe en fait. Et le beige n'était plus dispo. Donc j'avais commandé les taupes. Les taupes sont arrivées et je vais vous montrer ce que ça donne. Mais j'avais commandé aussi du noir parce qu'il n'y avait que du noir qui était dispo. Et j'ai vraiment pas aimé les chaises noires. Voilà, je vais vous les montrer, mais j'ai pas du tout aimé. Donc voilà les chaises taupes qui sont arrivées. J'aime beaucoup les chaises taupes. Et donc c'est ce style-là. Je les ai achetées via Zoli99, c'est un site belge. Et elles étaient en promo, donc elles m'ont coûté 30€ par chaise, ce qui est vraiment pas cher. C'est très pratique parce que j'ai les enfants pour nettoyer celle top. Et puis en fait, vous voyez que ceci, c'est des détails en boîte, mais ce n'est pas du tout du bois. Hein. C'est uniquement du plastique et du métal. Et donc ce modèle, c'est un modèle intérieur et extérieur. Et même si c'est du métal, je trouvais que ça allait très bien avec la table parce que ça fait un effet un peu trompeur. La table est classique, rustique, et les chaises sont modernes. Donc je voulais un peu mixer les deux. La couleur juste ici, c'est exactement la même couleur que la cuisine, qui est taupe. Je vais vous la montrer après pour vous faire un petit rappel. Donc voilà, j'avais commandé les chaises noires, mais finalement, j'ai pas du tout aimé. J'ai fait un vote via Instagram et vous avez voté de tout prendre en taupe et puis de mettre des petites touches de blanc ou de beige. Donc je me suis dit que j'allais prendre des petits coussins en fourrure pour l'hiver et les mettre sur quelques coussins. Donc je vais voir ce que ça va donner. Pour rappel, voici la cuisine. Cendrillon, elle est de nouveau au travail, comme tous les matins. Voici la cuisine, c'est exactement la même couleur que les chaises. Et je vais vous montrer maintenant les chaises que j'avais commandées qui sont noires. Alors voilà les chaises noires, je ne les ai même pas déballées. J'ai juste vu la couleur et j'ai déjà vu directement que ça n'allait pas me plaire. Donc j'ai décidé d'aller directement au magasin qui se trouve à Steenokerzeel, si je me souviens bien. Et ils viennent d'ouvrir le magasin, mais je vais quand même vous montrer en fait ce que ça donne. Donc voilà les chaises et voilà le noir en fait. J'aime pas du tout, ça va trop assombrir la veranda et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux avoir vraiment des couleurs nudes comme taupe, gris, beige, blanc et avoir des choses claires. Donc le noir franchement ça m'irait vraiment pas. Donc je vais remettre ceci au magasin. Et ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que pour le salon, j'ai décidé de mettre des rideaux. J'ai été faire plusieurs devis, mais 700€ pour des rideaux, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas mon style. Et j'ai pas envie de gaspiller cette somme-là, honnêtement, pour des rideaux. Donc je me suis dit que j'allais faire exactement la même technique que dans mes chambres. Dans mes chambres, j'ai mis des rideaux qui viennent de chez Ikea, tout simplement. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai raccourcis moi-même. Il y a une bande...
une bande qui va coller pour raccourcir vos rideaux, que vous allez repasser tout simplement, et puis voilà, ils sont raccourcis. Donc je vais aller chez IKEA et je vais faire identiquement le même style, mais cette fois-ci en daim pour le salon. Donc je vais vous montrer pour les chambres ce que ça donne. Donc ce sont des rideaux qui viennent de chez IKEA et qui m'ont coûté deux fois rien. Et je les ai raccourcis moi-même et je trouve que je l'ai assez bien fait. C'est vrai que c'est compliqué, que c'est galère, mais il faut vraiment le faire à ton aise. Et une fois que tu l'as fait à ton aise, franchement, ça donne un super beau rendu. Donc je me suis dit que j'allais vraiment faire la même chose pour le salon et ça va me coûter quoi, peut-être 120€. Et donc ce que j'avais fait déjà au préalable, c'est que j'avais été chez Bricoplanet parce que je trouve que la qualité des rails chez Bricoplanet sont bien meilleurs que chez IKEA. Donc j'ai acheté des rails que mon mari a placés. Alors le sondage sur Instagram, j'avais demandé ou bien des rideaux vert émeraude ou bien des rideaux crème blanc cassé. Donc j'ai pas encore vérifié sur Instagram, mais quand je partirai au IKEA, je vais voir les résultats et puis ça m'aidera aussi à décider. Donc voilà pour les rideaux du salon. Alors, je ne veux pas de rideaux blancs. Comme j'ai déjà expliqué lors de mon ancien vlog, en fait, de l'extérieur, quand il fait jour dehors et qu'il y a de la lumière, on ne voit rien de l'intérieur. Mais par contre, le soir, quand il y a de lumière à l'intérieur et que dehors, il fait noir, ben là, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que je préfère avoir des rideaux pour vraiment avoir de l'intimité rien que le soir. Mais sinon, pour le reste, comme vous le voyez, dehors, il n'y a pas de vis-à-vis. Donc, je vais terminer mon café maintenant et puis on se mettra en route. Alors là, il y a les tons que je recherche. Mais pas dedans. Si, ça c'est des rideaux. Celle-ci peut-être. C'est à 60€. Celle-ci, elle pourra aller. Il y a un peu de daim. C'est un peu un rappel. Celui-là, il est beau, hein. C'est comme le salon. Il y a du doré. Mais il y a des anneaux, hein. C'est pas bon pour nous. Moi, j'aime pas les dorés. Alors, je viens de sortir du Maison du Monde et malheureusement, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. J'avais énormément aimé un rideau que je vous ai montré à la fin. Donc, c'est du beige ivoire mélangé. Il y avait des feuilles en doré en fait, mais tous les rideaux chez Maison du Monde, c'est avec des anneaux. Donc, je ne sais pas du tout quoi faire. J'ai eu l'idée dans le magasin de les customiser moi-même et de mettre, vous voyez, d'y coudre les morceaux de tissu qui sont utilisés pour les accrocher voilà, dans les rideaux qu'il me faut. Mais malheureusement, je me dis, ça sert à rien de payer autant d'argent pour pouvoir les customiser finalement. Donc, ce que je vais faire maintenant, et c'est vraiment ma dernière chance, c'est d'aller chez Lehnbacher. Et peut-être que là-bas, je trouverai ce que je cherche. Donc, ce sera vraiment le dernier magasin que je vais faire parce que là, je suis fatiguée. Donc, on va se mettre en route vers Lehnbacher. C'est tout près de la maison. C'est pas très loin donc, et c'est sur le chemin. Donc, on va faire ça et puis j'espère, Inch'Allah, que je trouverai enfin ces rideaux parce que là, franchement, ça me saoule. Arrivé
arriver au magasin de la dernière chance, qui est le Lehenbacher. Si je trouve pas là, franchement, je suis au bout de ma life. Il n'y a pas de pâtissier. C'est où le Lehenbacher que j'ai là ? Qu'est-ce que tu racontes, c'est joli ? Est-ce que ça c'est joli, maman ? Joli ou moche ? Joli ou moche, maman ? J'aime pas ce noir, je cherche pas noir. Mais... Et ça, t'aimes bien cette couleur ? Du rideau ? Hein ? Oui ou non ? T'aimes bien la couleur du rideau ? Et ça ? J'ai déjà acheté mes rideaux, donc j'ai fait tout le tour. J'ai fait Maison du Monde, j'ai fait Ikea, j'ai fait Lehenbacher. En fait, j'ai fait plein de magasins et j'ai pas trouvé les rideaux que je recherchais dans la couleur que je recherchais. J'ai fait finalement un tour chez Brico Planet et là, j'étais choquée. Je les ai trouvés chez Brico Planet et à pas cher en plus. Donc, j'en ai pris 6 parce que j'ai 3 fenêtres. Bon, c'est comme ça. Le lave-vaisselle chez moi travaille non-stop. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, ah oui, je devais avoir 6 pièces parce que j'ai 3 fenêtres. Donc, je les ai trouvées chez Brico Planet. J'ai acheté tout ce que je devais avoir pour faire le nécessaire. Donc voilà les rideaux que j'ai achetés chez Brico Planet. Je les ai, ils m'ont coûté en total, ils étaient à moins 50%, mais franchement c'était très intéressant. Ils étaient à moins 50%, donc ils m'ont coûté finalement pour les 3 fenêtres 120€. Donc voilà, ça me fait des rideaux à 120€. Sauf que je dois faire tout le travail derrière. Donc j'ai, pour info, j'avais déjà fait un tour pour me les faire sur mesure. Donc c'était entre 300 et 700€ et franchement ça pour moi c'est non. J'ai pas envie de gaspiller autant d'argent pour des rideaux et surtout j'ai pas envie de gaspiller autant d'argent pour des rideaux. Donc voilà, on va faire la façon cheap. Donc je vais me débrouiller moi-même. Les rideaux m'ont coûté 120€ et puis le petit matériel à côté m'a coûté environ 20€. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble et je vais montrer comment je veux que ça soit dans le salon. Donc c'est un peu de travail. J'ai vu quelques tutos sur YouTube, mais voilà, je suis pas du tout couturière, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, je crois que là je suis installée. Il faut encore que j'aille chercher ma table à repasser, mais je vais vous montrer vite fait en fait ce que j'ai pris et ce que je compte faire. Alors moi, je me suis dit que si je mets les rideaux simples comme ça, accrochés, ça va être super moche, c'est pas ce que je veux. Donc j'ai fait un peu mes recherches et ce que j'aimerais, apparemment, ça s'appelle des plis flamands. Ça n'a pas l'air compliqué, maintenant je sais pas si c'est compliqué ou pas. Je viens d'ouvrir en fait le paquet du matériel que j'ai acheté à côté. Donc voilà la couleur des rideaux que j'ai pris et j'ai pris du daim parce que je trouvais vraiment que ça fait plus chic. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris ceci parce que je ne retrouvais pas mon matériel depuis que j'ai déménagé, donc j'ai dû racheter ceci. J'ai pris ceci pour m'aider à coudre. J'ai pris un fil comme ça pour raccourcir mes rideaux, donc ça se vend chez Ikea et chez Brico Planet. Donc il suffit de prendre la mesure, de couper, de faire les raccourcis nécessaires et puis de repasser dessus. Et j'ai pris ceci qui va m'aider à faire le pli flamand. Donc ça ressemble à ça. J'ai vraiment pas hâte. Ça ressemble à ça. Et donc apparemment ça m'aiderait à faire le pli flamand. Par contre j'ai déjà jeté un coup d'œil sur
la petite brochure qui va avec. Et franchement, ça n'a pas l'air simple. Ça me fait même un peu peur. Donc voilà. Et le fait qu'il y a des chiffres là, franchement, on dirait un plan de la NASA. Je suis dégoûtée déjà. Il me faudra un peu de temps pour comprendre comment faire. Mais bon, là, c'est expliqué. Et donc, c'est ce genre de pli que j'aimerais avoir à mes rideaux. Et comme je n'ai pas envie de donner le budget pour un couturier, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Ça ne doit pas être hyper compliqué. Je dois juste essayer de comprendre. Et donc, voilà. J'ai déjà fait un bon café pour m'aider à comprendre parce que sinon, mon cerveau ne fonctionne pas. Mais donc, voilà. Et j'aimerais que ça ressemble à ça, en fait. Voilà ce que moi, j'aimerais avoir. Donc, on va voir si je vais y arriver. Mais il faudrait que je prenne un petit temps pour moi et de voir les... Je vais bien mesurer et voir tout ce qu'il me faut comme calcul. Et quand j'aurai compris, je vous expliquerai comment faire. Ok, j'ai pris 2 minutes ma caméra pour vous expliquer. Je crois que j'ai compris comment faire. En tout cas, ça a l'air de réussir. Donc, je vais vous expliquer. Alors, le pli flamand, c'est ça environ. Donc là, j'ai pas encore repassé. Il faut encore que je repasse, mais ça, je le ferai quand j'aurai fini. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Et donc, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait. Alors, c'est... En fait, ça va, c'est simple. C'est un peu de travail, surtout pour moi. Moi, j'ai du mal avec l'aiguille parce que voilà, je suis pas couturière et je me ramasse toujours l'aiguille dans le doigt. Mais donc, voilà comment faire. Donc, pour avoir ce style-là, je vais poser la caméra ici.
pour avoir ce style-là, alors ce qu'il faut faire, c'est que j'ai toujours un espace de 7 cm juste ici. Pour avoir ceci, il me faut 2 fois 2,5, donc ça fait 5 cm. Donc je vais vous montrer comment faire de ce côté-ci. Donc je vais prendre ceci. Franchement, ceci, ça aide beaucoup. Je vais en prendre 2 pour vous montrer. Donc, on va dire que le commencement est là. Ok ? Donc, mon commencement est juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mètre. Je veux un espace de 7 cm. Donc là, à partir de là, je vais mesurer 7 cm. 7 cm, je vais mettre mon aiguille juste ici. Là, je suis à 7. Et donc, pour créer ceci, donc le pli flamand, je vais prendre 2 fois 2,5 qui me fait 5 cm. Donc je vais prendre 5 cm et je vais mettre mon aiguille. Donc là, ça va me montrer mon pli. Donc ceci juste ici, c'est mon pli. Je vais continuer, donc de nouveau 7 cm. Je vais mettre mon aiguille. Je vais recommencer 5 cm qui est mon pli. Donc là, en fait, j'ai 2 plis. Donc là, je vais prendre, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc, bah, je vais le mettre juste au milieu des 5 cm. Donc 7, 5, 7, 5. Je vais plier, je vais venir plier ici. Je vais refermer et c'est là en fait que je vais coudre pour bien refermer. Je vais coudre en haut. Et je vais coudre en bas. Voilà, ça c'est mon premier pli. Et je vais recommencer le deuxième. Hop. Je vais refermer. Je referme en haut. Et ensuite, je referme en bas. Donc voilà à quoi ça ressemble et où je dois coudre. Donc là, vous allez voir de nouveau. Donc 5, 7, 5, 7, 5, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, et puis ensuite, suite. Et donc, je vais venir coudre en haut et en bas, en haut. Mais donc, ça ressemble à ceci. Donc là, ce sont juste des exemples qu'ils ont créés. Et en fait, ce qui est bien avec ça, donc c'est que en haut, juste ici, je vais venir coudre aussi ici, donc dans le trou et à côté pour refermer les deux. Et le trou qui est juste ici, c'est pour sécuriser, parce que sinon vous allez accrocher le rideau. Et puis ça va rester accroché et le rideau va tomber. Donc on veut sécuriser le petit trou là aussi. Donc en fait, on va venir coudre 3 points. Le trou qui est dans ceci, le trou à l'extérieur, et donc on va venir refermer à l'extérieur et le trou à l'intérieur. Donc voilà la technique du fameux pli flamand.
j'ai encore repassé, j'ai préparé ma machine à repasser. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc de l'autre côté, j'ai tout cousu. Donc voilà, tout a été sécurisé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de repasser les plis pour avoir vraiment des belles lignes, pour que quand j'accroche les rideaux, que ça soit plus esthétique, on va dire. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais essayer. Donc j'ai sécurisé mes plis sur ma planche à repasser, parce que sur la planche à repasser, il y a une mousse. Donc voilà. Alors pour raccourcir les rideaux, le seul moyen que j'ai trouvé, je trouve que c'est un moyen efficace, c'est d'utiliser tout simplement l'îlot de ma cuisine. Comme il fait presque 3 mètres, c'est vraiment l'idéal. Donc je l'ai posé sur l'îlot de la cuisine. Ensuite j'ai mesuré ce qu'il fallait, retirer. Et ensuite j'ai utilisé donc les colles, les fils à colle qui sont à vendre au IKEA et au Bricoplanet. Et donc c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler de cette façon. Coucou tout le monde. Alors voilà, maintenant on est en fait le 2 jours après. On vient d'accrocher le dernier rideau, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc je vais vous montrer en fait tous les rideaux accrochés, ce que ça donne. Avant ça, je vais allumer toutes les lumières. Donc voilà, je viens de terminer. Le dernier rideau a été accroché, il a été repassé. Et donc enfin, c'est terminé. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc au début, les plis comme ça ne me plaisaient pas. Donc comment le rideau tombait ne me plaisait pas. Et puis j'avais repassé des lignes et ça m'avait vraiment pas plu. Donc je les ai de nouveau repassées normalement. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et franchement, pour une première fois, je trouve que c'est assez bien fait. Je suis fière de moi. Franchement, je suis fière de moi. Ça m'a économisé énormément d'argent. Et donc, voilà. De ce côté-ci, il y a 2 rideaux à chaque fenêtre. De ce côté-ci aussi. Alors, celui-là, je viens de l'accrocher il n'y a vraiment pas longtemps. En fait, j'aimerais bien qu'il tombe comme ça. Donc, ça fait déjà un bout de temps que c'est accroché. Je crois que ça fait 3 ou 4 jours. Celui-là, ça fait 2 jours et on voit la différence. Et puis celui-ci, j'en ai mis que un, vu que c'est une fenêtre. Si j'en aurais mis 2, ça aurait fait trop. Donc comme ça, je trouve que c'est très bien. Et je l'ai mis donc du côté TV. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, franchement, j'aime bien. Et comme certaines l'ont dit, ça habille la pièce. Je suis d'accord avec vous. Et donc le soir, il suffit de fermer les rideaux. Comme il y a de la lumière à l'intérieur et il n'y a pas de lumière à l'extérieur, il fait noir, on voit beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ce problème est résolu parce qu'on ferme les rideaux et puis voilà, c'est réglé. Et donc voilà pour les rideaux en plis flamands. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de me taguer, surtout si vous essayez par vous-même. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram si ce n'est pas fait. Je suis très active via Instagram. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et pourquoi pas, n'oubliez pas de vous abonner. En fait, vous avez déjà regardé cette vidéo, donc si ça t'a plu, abonne-toi. Et donc voilà, moi sur ce, je vais allumer ma petite cheminée, je vais prendre un petit livre et je vais lire mon livre et me détendre. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.